Voilà. Mais là, le plan d'action, c'est ça. On va marcher parce qu'on a une destination, c'est le centre-ville. Mais à chaque fois qu'on croise un bar, on est obligé de rentrer et tous prendre une tournée et de repartir. Et c'est parti. Et là, c'est le premier pas. Mais attends, Ellie, explique quand même qu'on a déjà bu. Oui, on a déjà bu un peu. Souffle-moi. Comme ça pour tout le monde. Hey, tournée générale pour monsieur. Argent de YouTube, hein. YouTube money. Tu vas payer tes propres tournées. Ah bah, d'un petit mot. Pour l'instant, alcool coule à flot. Le problème, c'est qu'il y a trop de bars. On fait des détours. Du coup, on fait des détours. Bruxelles, ma belle. Allez, on pisse ici. Ah non, c'est cool. Eh, hey, tu m'as remis une tournée. Non, on va tous passer en même temps. Je te paye en rhum. Je te paye en rhum et tu me filmes. Vraiment, on trouve un crâne avec les Jupilers et les Clopes. Ah, bonne santé, les pirates. On part demain, les gars, on part demain. On part ce soir. Allez, on part ce soir, la mec. On va croiser d'autres bars. On va croiser d'autres bières. Non, mais attends, en train de se la bière aussi. Est une immortelle. Et de bière comme là. Un fond de nappe. Oh, oh, oh. Comment tu fais ça? On a eu de la chance, on est tombé que sur un seul bar. Fait que les dégâts ont été. Les mecs sont tous bourrés. Non. Attends. T'as un dérangé mental, gros. Finalement, les bars, ça nous a saoulés. On a été trop bourrés, on a utilisé l'arcade. Je te défie au hoops. Mais il joue. Regarde, la strat, je vais les escaliers. Ah ah. W. Comme Brian. Oh oui. Oh le bâtard. On va tous faire en film. Oh non, il a win. Bon les gars, nouvelle vidéo YouTube. Qu'est-ce que vous allez voir dans la vidéo? Premièrement, attends, il y a quoi dans la vidéo? J'ai oublié. Les saphirs. Ah oui, nouvelle vidéo YouTube les gars. 2 mois sans absence. Non, je m'en bats. 2 mois d'absence. Là les gars, on revient à une nouvelle vidéo. Avec Saphir, Halloween, vidéo avec Saphir, vidéo où on va draguer des meufs, vidéo en boîte. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le watch time. Oh putain, c'est youtubeur. Ok les gars, on vous explique le topo de la situation. Je suis avec Saphir. T'as un conseil à donner aux gars pour être plus confiant en soi, etc. Parler aux meufs. Donc force à aller parler aux meufs, même si c'est difficile. Se prendre des râteaux et tout, c'est comme ça, t'es obligé. Ouais. Même moi, je m'en prends. Hein. Et quand tu parles, tu dis juste salut, ça va, tu parles tranquille et tout. Mm-hmm. Et franchement, il n'y a aucune source de stress. Parce que quand tu te dis, vas-y putain, qu'est-ce que je vais lui dire et tout, est-ce que je dois la faire rire et tout, non, en fait, faut pas penser à ça. Faut juste parler comme si c'était ton pote. Salut, tu vas bien? And where do you come from? À Brazil. It's a French number. I'm French. Yes, me number French. Bye bye. Bye bye. Oh là là. Les brésiliennes, elles sont. Elles me fait comme ça. Bye bye. Ah ouais, t'as fait quoi? Non, mais aussi, faut pas attendre que les meufs elles viennent vers toi. Parce qu'il y en a plein, tu sais, ils se disent, ouais, je suis BG et tout, tac. Il y aura les meufs, elles vont venir vers moi. Ou vas-y, de toute façon, je m'en bats les couilles, je les DM sur Insta et tout. Faut pas penser à ça. Parce que le mieux du mot, c'est dans la vraie vie directe. Ouais, voilà. C'est là où t'as le plus de chance. Parce que par message, du jour au lendemain, elle peut arrêter de te parler. Elle peut te unfollow, elle peut te bloquer. Parce que souvent les meufs elles ont peur, imagine dans la vraie vie, je lui plais pas, il me plaît pas, bah là il y aura pas ce truc parce que vous ouais, avez déjà vu dans la vraie vie. C'est ouf parce que même toi qui as genre 3 millions, 4 millions d'abonnés, 300k sur Insta, un putain de profil et tout, même toi tu dis c'est mieux dans la vraie vie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà, faut draguer dans la rue, c'est très important et prendre soin de soi. En plus, le fait de draguer dans la rue, et bah forcément t'auras obligé des résultats positifs à force de le faire. Mmh. T'auras des négatifs mais aussi des positifs et ça va donner confiance en toi. Et après, ouais, tu diras c'est tranquille et tout. Après tu pourras parler à tout le monde et tu seras plus sociable, t'auras une meilleure vie, t'auras moins de stress et tout. Moi je stressais, il y a même une semaine, hein. Tu sais, des fois une meuf elle me regardait, je stressais. C'est abusé. Alors que ce gars, c'est la définition du truc black pill, t'as pas de défaut, tu vois. Donc t'as pas de raison de stresser. Mais pourtant, comme tu dis, tu stressais quand même. Ouais, du coup, je stressais, ouais. Si je me disais, ah, je vais me parler, non, vas-y, il y en aura une autre, tu vois. Et là, maintenant, je me dis, bah, grâce à toi, franchement,
C'est ouf. Fou, hein. Tu me dis va parler à elle, vas-y, ok. Il y a plein d'opportunités que vous ratez. Ouais. Par exemple, tu parles à une meuf dans la rue, ça se trouve le soir même, elle va venir chez toi, ça se trouve tu vas avoir une relation grave sérieuse avec elle, ça se trouve elle va être super gentille. En gros, c'est que du plus. Donc il ouais, voilà. Y a plein d'opportunités que tu vois, tu n'as pas du tout y aller. Moi, je stressais, je me disais vas-y, les gens ils vont me voir, vous parlez dans les transports en commun, les gens ils vont me voir. Mais après, oui, c'est sûr, les gens ils vont te regarder, ils vont se retourner, haha, il l'a abordé. Au final, tu t'en fous parce que dans 5 secondes après, tu les revois plus et de toute façon, il n'y a rien. C'est super important. Après, tu seras à l'aise dans la société, tu sais, avec ouais. tout le monde. Même à des vendeurs, des vendeuses et tout, tu vas parler tranquille. Ouais, salut, tu vas bien et tout. Mm. Parce qu'en fait, vu que tu auras franchi le cap le plus dur, c'est avec les meufs, aborder une meuf ouais. qui te regarde même pas dans la rue, c'est vraiment le plus dur. Après, tu pourras tout faire et ça va t'ouvrir, tu seras moins timide. Ouais, de base, clair. Je suis timide. Hein. De base, je suis timide, je joue à League of Legends toute la nuit, je parle pas à une meuf, je regarde. Laisse tomber, et là maintenant tranquille, vraiment. Tu sais, je me disais, mais ouais. c'est quoi le secret? Mais pourquoi ils y arrivent, ils sont aussi à l'aise et tout? En fait, c'est super facile. T'as juste aller dans la rue, parler, ça me sert. Voilà. T'as pas besoin d'attendre aussi, tu sais, on se dit tout le temps, ouais, vas-y, je veux prendre 10 kilos de muscles et là je suis prêt. Ouais. Enfin, ça, tu mets une veste, on voit plus tes muscles. Ouais, c'est juste, ça, c'est ça. Le physique, tu traces ta barre, tu vas au coiffeur et point barre. Voilà. Même avec des boutons, tu peux y aller, mais voilà. C'est la preuve, les gars, j'ai des boutons, ça m'arrête pas, hein, les refs. Toi, les gars, les meufs, elles sont. On pense, les meufs, c'est des ovnis, tout. Mais elles sont. Elles sont pas confiantes en elles, les gars. La plupart d'elles, je vous assure, genre, toutes les meufs ont une fierté de fou. Mais en vérité, elles sont pas à l'aise. Pas les mettre sur un piédestal, c'est juste des meufs. Ouais, c'est comme si je parlais à un mec. C'est parfois se mettre un truc de finalité, d'objectif, de se dire je dois absolument choper un numéro qui peut du coup vous stresser. Et du coup, vous êtes pas sur le moment et au final, genre, vous êtes pas avec elle. Et le plus important, c'est de créer des émotions quand vous êtes avec une meuf. Bien, mais pour ça, faut que vous soyez à l'aise. Et comme t'as dit, il faut pas vous mettre un objectif de vas-y, je dois choper un numéro. Non, juste vous sortez, comme t'as dit. Tu dis je rentre pas chez moi tant que j'ai pas été parlé à Dego. Et vous allez leur parler normalement, ouais, les gars, je vous jure, c'est plus facile que vous le pensez. J'ai envie de rajouter un truc aussi, quand je voyais par exemple tes vidéos et tout, je me disais, ouais, mais le mec, il sait tout dire à n'importe quel moment de la situation, il s'est dit un truc marrant qui va faire rire ou mettre bien la meuf et tout. Et moi, limite, j'apprenais les phrases par cœur. Mm. Il a dit ça à ce moment-là, il s'est penché comme ça et tout, il s'est mis à l'aise et tout. Vas-y, je vais faire la même. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, une fois que t'es à l'aise, et bah ça va être facile. C'est en fait, une fois que tu parles normal, salut, ça va et tout, et ben automatiquement tu auras des sortes de blagues qui vont venir à l'esprit. Automatiquement. Même moi avant, je me disais, mais je parle à une meuf, mais tout va être calculé. Salut, tu vas bien? Après, elle va me répondre, oui, toi. Donc logiquement, je lui dis ça. Après, est-ce que je lui dis un truc marrant? En fait, non, t'as pas besoin de faire ça. Juste, même s'il y a des petits blancs, c'est pas grave. Et là, vous allez dire, ouais, les gars, mais c'est trop simple. Ce gars-là qui donne des conseils alors que. Mais non, parce que franchement, ce gars-là, déjà, il a travaillé sur lui. Il a regardé les bonnes vidéos, il est au courant de qu'est-ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il fait en fait. Ça, c'est pas par hasard. Les choses, elles vont pas tomber sur toi du ciel. Non, ses muscles, il a dû charbonner. Le fait que sa peau, elle soit parfaite, il a dû se renseigner, se mettre dans des situations où il a dû évoluer. Et les choses vont pas tomber comme ça du ciel par magie. De base, t'as dit, t'étais skinny fat. Les gars, de base, il était skinny fat et il est devenu musclé. Mais lui, il s'est buté. Les gars, hier, on a été au Domac. Le gars, il a pris un burger. Je vous mettrai la photo. Frérot, j'ai jamais vu ça de ma vie. Plus gros qu'un cheese, tu vois. Un petit. Mais gros, tu vas nous lire. Il y a un bug ou gazeuse. C'est bien pour la digestion. Attends. 40 balles. Ah, ça me fume. Au moins, j'en mange 3, je suis en PLS. Non, t'inquiète. Donc, t'as rien sans rien. Le gars, il fait des trucs. Quand il va à la salle où on a fait une séance, je vous jure, j'ai jamais fait une séance pareille de ma vie. Et voilà, si vous, maintenant, vous voulez changer votre vie, avoir de vrais résultats, ça va pas vous tomber du ciel. C'est peut-être un processus long, mais faut pas abandonner, faut être déterminé. Et spécifiquement avec les meufs, comme t'as dit, on se prend trop la tête, c'est trop simple. On se prend trop la tête, les gars. C'est abusé. Avec les meufs, c'est vraiment la tchatche, c'est le plus important. C'est même pas physique. Le physique, c'est l'apparence première. Après, c'est la tchatche. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois que une meuf, elle me met trop beau. Mais quand je parle et tout, vu que j'étais stressé et tout, elle était plus intéressée. C'est vraiment la tchatche. C'est vraiment ce que vous avez dans la tête. C'est comment vous comportez. Juste, j'ai les couilles, j'ai la confiance en moi et j'ai la tchatche pour me dire. Je peux aller lui parler et je passe pas à côté de cette opportunité. Le pire, c'est de se dire putain, qu'est-ce qui aurait pu se passer, tu vois. Et ça, c'est le pire. Au moins, vous y allez et au moins, vous savez si elle est pas intéressée, elle est pas intéressée, si elle est en couple, elle est en couple. Et les gars, vous savez pas, mais c'est franchement, vous allez être. Vous allez être surpris. Choqué du résultat, vraiment. Vous allez être choqué. Juste le fait d'accoster une meuf peut tout changer. T'auras toi, t'auras plus de testo, t'auras moins de stress, t'auras plus de meufs, t'auras tout, juste en allant parler à un humain, tu vois, la base des bases. Si vous voulez prendre le contrôle sur votre vie, ça c'est à vous de juger, mais je pense que un homme, par devoir, un homme en étant en dépression lorsqu'il n'a pas le contrôle sur sa vie, en fait c'est la liberté, ça s'appelle la liberté, c'est la liberté de choisir. Cette meuf elle passe, j'ai la liberté,
j'ai le choix, la possibilité d'aller lui parler. Et c'est ça en fait le but d'un homme. Le but d'un homme, les gars, in fine, la testostérone, c'est ça. C'est en fait se dire, je fais ce que je veux. Alors bien sûr, dans le respect, etc. Dans le respect des lois, et ça c'est normal, je veux dire, ça c'est l'éducation. Quand on va parler, toujours respectueux, etc. Mais c'est se dire, putain, en fait, je suis maître de ma vie. Et ça, c'est le meilleur des sentiments, tu vois. Ouais, c'est trop, trop bien. Mm. Ça, avant, ça allait à la guerre. Avant, ça allait au travail en courant, en vélo et tout. Maintenant, il y a la voiture. Maintenant, il y a les fast-foods, il y a tout. Ouais. Maintenant, il y a Tinder. Il y a le porno, tu vois. Ouais, il y a ça. Et du coup, au final, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'effort et tout. Alors que là, si tu prends tes coups, il y a demain, tu y vas et tout. Alors que là, imagine, regarde, là, il y a des gens qui prennent en photo. Imagine, si je veux accoster, là, je vais... Ouais, je vais me dire, je vais me mettre sur la photo, je vais faire comme ça. Après, je vais lui dire, salut, ça va et tout. Regardez les gars, on passe à l'action directement. Comment fait ? Tu veux poser, tu veux poser ? Vas-y, double biceps, double biceps. Et monte le dos, monte le dos. Ouais. Oh, oh c'est ouais, pas mal, ouais, c'est ouais, pas ouais, mal. Attends, mais. Ah, tu veux te battre ? Non, vas-y. Mais Ah, tu crois comme ça direct ? Ouais. Ok, ok, ok. Ah, il est chaud, il est chaud. Attends. On va montrer un peu la séance. Ici, le trapèze est strié, comme vous pouvez le voir. C'est quelque chose en acier. Oh non! Ça tu fais marrer gros quand il y a des gens, tu les fais rire genre. Vraiment Gad Elmaleh genre. Les gars, le premier qui arrête, paye la boule. Pas que c'est ça. Je vois pas la lumière. Non, je vois pas. Je regarde pas. Come on! Pense au texte, pense au texte message. Ah ouais, je vois. Allez, t'as pas le droit, come on! T'en as encore trois faciles! Ok les gars, c'est trop chaud mec. On cherche notre déguisement pour cette soirée. D'ailleurs on sait pas où on fait la soirée. Ok, moi je choisis ton déguisement, toi tu choisis le mien. Comme ça y a pas de doute. Ouais mais on va regarder en même temps, Toi tu conseilles quoi pour un mec? T'as pas une idée de déguisement? Non, c'est pour ça que moi je suis venu pour un déguisement, il n'y a plus donc. Franchement, ça je pense à tirer. Ouais. Je pense à se tente, non? Bon, après, je sais pas si t'es une femme d'église ou quoi, mais. Ouais, c'est ça, je suis un peu catholique. Ah ouais, mais non, alors, tu iras pas au paradis. Habille-toi comme ça, ça sera parfait. J'ai dit. Oh gros, je m'habille en Moïse. Est-ce qu'on s'habille en Moïse à la communauté? Est-ce que c'est bien? En tout cas, c'est validé ici par la demoiselle. Tu t'habilles en mage noir, en mage blanc? Mage noir. Les gars, moi je suis un mage noir, hein. Pour ceux qui ne savaient pas sur la chaîne, je suis un mage noir.
J'essaie d'atteindre le Graal de Ombre Céleste bientôt. Un bordel, ne faites jamais, ne cherchez jamais votre déguisement le jour même d'Halloween. Genre. On est vraiment le 31, il y a la soirée dans 2 heures. Genre. Franchement top, hein. prenez ça directement. Parfait, on fait ça. Je pense que la communauté valide. Le mec qui fait le moindre effort, il prend juste un chapeau. Genre. Prends ça. Oh, t'es, 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 en fait, t'es pas déguisé. Oh, c'est Batman. I'm c'est le Batman, mais tu sais, en 1930. Vous avez pas encore de CGI. On est toujours à l'heure dans les jobs. Oh, catastrophe. C'est énorme. Je pensais que t'allais mettre deux petites griffes comme ça. Et non. On m'a défoncé le visage. Validé ou pas? Les gars, mettez en commentaire est-ce que c'est validé. De toute façon, c'est déjà fait. Bah, merci beaucoup. T'as un stylo? T'as un Insta? C'est quoi ce genre de bus? Bon bah voilà les gars, maquillage fait. Dame! Dame! Super fresh. Bon messieurs, on est tous réunis. Début d'un film d'horreur. D'ouf. Girl in my heart. Il a arrêté de vocation là. Play for the culture. Play for the sound. Oh, police. Police, le groupe. Allez, let's go. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Come on. Honey, I see you looking at me. I'm ready to go with you if you want me. Sexy. Cause baby, there's no one that makes me smile the way that you do. You want a kind. When you hold me, then you will see I'm all you need. Baby, just take my hand. I like how it's going down right here, baby. Word up, tone. Je crois que t'as déjà raté, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. Non, dis-moi ça. Merde, putain, c'est bien. Maurice. Je mémorise. Fais bien, bisous. À la carte? Oui. Après, viens. Non, voilà. Ok. Viens un peu. 5 de cœur. Waouh! Wow. Pas mal. Franchement, pas mal. Tu vois, Blackpink, c'est quoi? Ouais, c'est le visage. Ouais, c'est voilà. Le corps, le ouais, visage. Voilà. Et ceux qui disent s'ils si ont pas ça, bah, jamais ils arriveront à serrer et tout. Non, pas du tout. Mais en final, je le visage quoi. Tu sais, je connais des mecs beaux, très beaux, ils ont pas du tout la côte avec les mecs. Du coup, ils sont sur Tinder, ils se branlent tous les jours. Ils sont super légers. C'est abusé. Pas de vrai, il y a pas de vrai. Ouais, je vois. En fait, la clip, c'est bien pour le début, tu sais, pour que le regard et tout. Voilà. Exactement. Pour la première attirance, genre. Ok, ma présente Giuliano Loris. Voilà, Giuliano Loris. Ouais. Et je sais pas. Donc, que moi, dans ma vie, j'ai 7 enfants. Donc, là, ah ouais? J'ai 7 enfants. Ah oui, c'est pas vrai. Ouais, tu ouais. Ah, mais j'adorais avec. Un ticket? Un ticket de bus? Non, c'est pas ticket de bus. C'est juste une Ah, il veut une bière, le vieux. Ok. On est tombé sur les gars dans la vidéo de Loris. Bon, j'ai ma femme, j'ai mes gosses et tout. Et quoi, tu veux une bière? Ouais, c'est une bière. Je te paye une bière. Ouais, c'est gentil, franchement. C'est cool. Du coup, Cuba, oui, c'est quand tu y retournes? Je pars à Cuba, ouais. Aller retrouver tes femmes? Ouais, ma vie, mes enfants. Ouais, ah oui, c'est vrai, les enfants, t'as combien d'enfants encore? J'ai 9 enfants. Là, j'ai 7 enfants, donc. J'ai 9 enfants. Ouais, ah ouais, les gens. Vous êtes des beaux garçons, c'est vrai, vous êtes des beaux garçons. Vous. Ah, ça fait plaisir. Vous êtes jeunes, vous êtes beaux. Ouais. Mais non, il boit pas, monsieur. Non, pour après, à toi. Mais non, il boit pas. Ouais, il est gentil, mais je connais. Ouais, c'est une star, hein. Ouais. Sur YouTube. Ça, c'est une copine en bas, regarde. Ah, ça, c'est un mec.
Elle veut un mec. Moi, je cherche un mec, hein, c'est sûr. Elle est chaude, hein, elle habite à Cuba. Mais va la voir, c'est ton fond d'écran. Ouais. Non, mais c'est une amie à moi. Elle a 37 ans, elle habite à Cuba. Mais pourquoi c'est ton fond d'écran? Parce que je l'aime bien. Saphir pris en flagrant délit. Ouais, c'est même. C'est pas très diète, ça, mon rêve. C'est l'eau. Mets plus fort. Attends, comment on fait? Ah oui, voilà, tu l'as, tu l'as. Il l'a. Fais après comment il fait. Attends, tu sais, on va faire du ziz constamment, même si c'est sans pratique. Ah voilà, c'est doux. Ça m'extermine, gros. J'adore, c'est vraiment la legacy. On est toujours avec Saphir, toujours. On fait découvrir BX, là on va aller au Bloody. Filme Colin. Et moi. C'est caméraman. Là y'a Amad. Y'a Amad, y'a tout le monde. Si vous avez envie de tatouage, on mettra Annel sur le film. On va aller au Bloody. Surtout merci à Saphir, qui est en plein apnée. Project, this ain't what you want.